Le procès de l'ancien majordome du pape Benoît XVI a débuté samedi matin au Vatican. Un procès très encadré, seuls 8 journalistes vont pouvoir y assister et ils ne pourront en rendre compte qu'à son terme. L'homme, Paolo Gabriele, est accusé d'avoir pendant des mois photocopié des dizaines de documents confidentiels du pape et de ses collaborateurs pour les remettre ensuite à un journaliste, lequel journaliste a publié un livre intitulé « Sa sainteté » qui a révélé les coulisses du Vatican faites de rivalités et de complots. En permettant cela, le majordome du pape a fait du mal à l'Église, estime cet homme, car ces informations ont été strictement privées et il y aura toujours des gens qui en tireront profit. D'une certaine manière, l'Église pourrait sortir renforcée de toute cette histoire en prenant une nouvelle dimension fondée sur l'ouverture et la transparence, juge cet autre Italien. L'ancien majordome risque jusqu'à 4 années de prison. Le pape peut toutefois lui accorder sa grâce.